Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, point faible. On va bosser les triceps. Parce que je te rappelle, les triceps, c'est ce qui va te permettre d'avoir un gros bras, d'accord? C'est ce qui va te permettre de déchirer tes t-shirts. Parce que regarde, attends, il fait très froid, donc là, je fais un effort de fou. Juste pour rappel. Là, on a un bras, tu vois? On a un bon bras. Le biceps, c'est une petite partie du bras. Le triceps, c'est cette grande partie-là, tu vois? Et ça, ça va t'aider à avoir un gros bras. Donc aujourd'hui, c'est la séance rappel pour avoir un gros bras. Bon, moi, je vais remettre mon haut de survie, là. Je te dis de préparer, enfin, prépare ton eau, prépare tout, je prépare mes affaires et on va bosser. Premier exercice, on va se faire des dips tranquillement avec des barres à dips. Si t'as pas de barres à dips, tu peux prendre une chaise, d'accord? Ou deux chaises. Peu importe ce que tu prends, mais des dips, c'est facile à faire à la maison, pas d'excuses. On va se faire 4 fois 10 reps et on va se faire des dips contrôlés, d'accord? Je rappelle, une dips normale, hop, c'est ça. Mais nous, on va prendre le temps de descendre et bien monter. C'est très important, d'accord? Ça va t'aider à avoir des gros triceps. C'est parti. Hop, position de départ. On est en haut. On descend doucement. Une. Ok. Deux. Allez. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Hop. Je mets mon temps de repos et mon petit trait. On est bien à dips. Ouh. Là, je te cache pas, ce programme, il est quelle heure actuellement? Il est 23h41, d'accord? Je reviens d'une séance incroyable à la salle. J'ai fait une séance dos, biceps, épaules et un rappel triceps. C'est-à-dire que là, je suis complètement allumé, d'accord? Je me suis bien reposé. 2 heures, 3 heures. Et là, je refais une séance, d'accord? Parce que je me dois de vous aider. C'est important. Je dois faire mes séances personnelles, qui sont un peu plus dures et un peu plus chargées. Et je dois faire des programmes points faibles, d'accord? C'est du surentraînement, mais on le fait avec le sourire. C'est important. 56 secondes, je vais prendre une minute de repos. Tu peux prendre une 30, toi, mais moi, j'estime que quand on est sur du poids de corps, on peut prendre une minute de repos. Allez, c'est parti. Une, ok. Deux. Trois, allez. Quatre. Cinq, c'est rien. Six, ok. 7, 8, 9 et 10. Je mets, hop, le temps de repos et mon deuxième trait. Tu sais, quand tu t'entraînes avec du temps de repos et que tu fais des entraînements précis comme ça, tu vas progresser super vite, voire plus vite que les gens qui s'entraînent en salle de sport. Parce qu'en salle de sport, en général, les gens, ils s'entraînent, ils discutent et après, ils balancent leur série un peu quand ils veulent. Mais là, l'entraînement qu'on fait, on fait un entraînement sérieux et structuré. Ça veut dire que si tu me suis pendant les temps de repos, tu prends le temps de repos de 1:30, de 1 minute ou peu importe, tu vas progresser de fou. Tu peux que progresser. D'ailleurs, vous m'envoyez des photos de vos progressions et tout, c'est magnifique. Et je pense que si vous continuez comme ça, je vais demander votre avis et on va faire une vidéo sur vos évolutions. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est motivant ce que vous faites. C'est motivant, vous évoluez, vous progressez et vous allez motiver encore plus de personnes et vous-même. Donc, merci beaucoup. J'allais boire de l'eau, mais là, on a 1 minute 3. Bah, c'est pas grave, on va boire après. C'est parti. Allez. Une. Deux. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8,
9 et 10. Ok, je mets mon petit trait, hop, bam, mon temps de repos. Et je bois mon eau avant que j'oublie là. Très important, une gorgée. Ouh. Pour ceux qui font leurs dips à la barre, faites bien attention de rester droit, d'accord? Pour bien bosser les triceps. Parce que plus tu te penches en avant, et plus tes pecs ils vont prendre, tu vois. Et là, c'est le programme spécial triceps, pas le programme pec, d'accord? On est là pour rattraper notre triceps, pour avoir un gros triceps. Donc, on fait les dips droits. Ceux qui font à la chaise, bah vous avez plus de chance parce que à la chaise, c'est dur de sentir ses pectoraux. Tu sens que tes triceps. Donc, à la chaise, c'est super. Je vois un peu le temps. 50. Je bois une gorgée. En tous les cas, c'est la dernière. Et après, on fera les choses bien pour la suite. Ok, on y va pour la dernière. Hop. 1. 2. 3. Allez. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Bon. Là, tu prends 2 ou 3 minutes de repos en fonction de ta forme. Et on passe à l'exercice numéro 2. Deuxième exercice, on va se faire de la barre au front mais en prise marteau. Et juste après, on va se faire du développé couché en prise serrée. D'accord? Le développé couché en prise serrée, ça taffe les triceps. On va faire ça bien, un bel enchaînement qui va faire mal. 4 fois 10 reps. Hop, 10 en marteau et 10 en développé couché. Je rappelle, position de départ comme ça, et quand on baisse comme ça, ok? Allez, hop. 1, 2, 3, 4, ok, 5, 6, 7, 8, ok, 9, allez. Et 10. Là, tu serres les haltères, tu restes en prise marteau. Hop. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, et 10. Ok. Hop. Je pose mes haltères tranquillement. Hop. Et je mets mon temps de repos. Là, on arrive dans un enchaînement qui fait assez mal, qui fait vraiment mal. Donc, reste concentré, c'est très important. Je prends aussi mon eau. Hop, comme ça, on est bien. Comme je t'ai dit, t'as les programmes types, là où on s'entraîne tranquillement, tu sais pas trop quoi faire, tu veux faire une séance. Et t'as ces programmes-là. Là où, voilà, là on n'est plus là pour rigoler. On est là pour pousser. On est là pour se déchirer. On est là pour progresser. Très important. Au niveau du repos, comme c'est un enchaînement qui fait assez mal, on va prendre 1 minute 30. D'accord? Prends pas une minute. Prends pas une 10. Prends une 30. D'accord? Ou si tu prends une 10, t'as intérêt d'assumer derrière. Parce que si t'assumes pas, tu prends en vouloir qu'à toi-même. D'accord? Il faut aller jusqu'à la fin. Il faut faire 10 répétitions en barre au front marteau et 10 répétitions en développé couché prise serrée. C'est très important et c'est comme ça que tu vas progresser. Oh, il reste 10 secondes déjà. C'est incroyable. 5 secondes, c'est bon, je peux arrêter le chrono. Hop, je me prépare bien. Allez. On y va. 1. Ok. 2. Allez. 3. 4. Allez. 5. 6. 7. Faut aller chercher ses reps. 8. Allez. 9. Dernière.
Et 10. Ok, très bien. On reste en haut. On serre les haltères. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Allez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Franchement, c'est un bel enchaînement. Hop, je mets le temps de repos. J'ai pas mis mon premier trait tout à l'heure. Hop, donc deux traits, il en reste deux. Oh. Et j'ai pas précisé, mais quand tu fais ces types d'exercices avec enchaînement, n'hésite pas de baisser la charge, d'accord? Prends pas ta charge actuelle, parce que sinon, tu risques de pas aller au bout. Si t'arrives pas à aller au bout, c'est que la charge est trop lourde, d'accord? Et prends pas une charge trop légère non plus. Si tu vois que c'est trop facile, augmente, c'est très important. Beaucoup de personnes me disent quel poids je dois soulever pour avoir des gros biceps. Le poids que tu dois soulever, c'est le poids qui est suffisamment lourd pour faire 10 répétitions, d'accord? Sans que ça soit trop léger. Il faut que la charge pour toi soit lourde ou moyenne, si tu veux. Parce qu'on est tous différents. Moi, pour moi, une charge lourde, ça va être plus que toi, tu vois. Si je te dis, par exemple, au développé couché, au développé couché, je mets 140 kilos. Je vais pas te dire de mettre 140 kilos, d'accord? Je vais te dire de pousser tranquillement à 30 kilos, après 60, après 70, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, tu vas évoluer, tu vas monter en charge, d'accord? Et progressivement, ton corps, il va casser des fibres et se développer. Et là, tu pourras mettre des grosses charges, d'accord? Mais tu vas progresser étape par étape, très important. Et là, 1 minute 30, on va repartir pour la troisième série. Allez, on y va. 1, allez, 2, 3, allez, 4, 5, allez, 6, c'est rien, 7, allez, 8, on est ensemble, 9, allez, et 10, ok, très bien, on serre les haltères, on se repose pas et on y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Oh. Là, j'ai les triceps en feu, c'est incroyable. Oh. Je mets mon temps de repos et mon troisième trait. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh. Ouais, comme je te disais tout à l'heure, enfin en début de séance, j'ai repris la salle de sport. Je suis vraiment content. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content, les mecs. J'ai repris la salle de sport, j'ai pris mes entraînements lourds et ça me fait plaisir. Je revis, d'accord? Parce que voilà, j'avais beaucoup de travail en tournage vidéo. C'était assez compliqué, mais là j'ai pu me libérer, j'ai pu, on va dire, refuser des contrats. Gagner moins d'argent, voire pas du tout d'argent, mais m'entraîner en salle de sport. Et ça, pour moi, c'est je suis content. Je suis content de fou, c'est une bénédiction pour moi. Oh. Et ça me laisse aussi le temps de faire des programmes. Parce que entre ces programmes-ci et les programmes que je t'ai fait juste avant en point faible, il y a au moins 2 semaines d'écart, tu vois. Il y a 2 semaines d'écart parce que j'avais plein de projets, il y avait plein de choses. Enfin, j'ai une semaine, enfin 2 semaines, mais je pense que c'est 1 semaine et demie d'écart. Mais je pouvais pas. Mais là, je peux me consacrer à cette chaîne et j'ai envie de faire beaucoup de choses pour ce mois de mai, d'accord? J'ai envie de remplir ce mois de mai. Parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 30 avril et j'ai envie de faire les choses bien. Hop, 1 minute 30 pour la dernière. On va envoyer, on va faire les choses bien, c'est important. Allez, on y va. 1, ok. 2, très bien. 3, allez. 4, allez. 5, 6, ok. 7, ok. 8, ok. 9 et 10. Ok, on serre les haltères tranquillement et on y va. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Oh, celle-là, elle était dure. Celle-là, elle était dure. Ok. Sachant que mon micro, il est dans ma barbe. J'ai l'impression qu'il va s'arracher, c'est incroyable. Hop, je mets mon quatrième petit trait. Et là, on est bien. Bon, toi, prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe au dernier exercice. Dernier exercice simple. On va prendre un haltère comme ça, en pronation. On va s'allonger et on va se faire 20 répétitions, hop, en barre au front. D'accord ? Parce que là, tu vois, comme on n'a que des haltères, on n'a pas de machine, moi, je préconise et j'ai choisi l'exercice le plus efficace pour développer tes triceps. Après, bien entendu, quand je vais faire mes entraînements en salle, je vais te proposer plein de variantes. Comme ça, comme les salles vont réouvrir bientôt et que tu vas utiliser quelques tips pour tes entraînements en salle, tu pourras varier les positions et les exercices. Allez, on y va, 20 reps. 1, 2, ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, oh, 19 et 20. Ok, allez, je mets... Hop, mon temps de repos. J'ai vu l'haltère rouler, je pensais qu'elle allait aller loin, mais ça va. Et mon petit trait. Là aussi, pareil, on fait 20 répétitions, donc on va prendre 1 minute 30 de repos. Pas, c'est pas obligé de prendre 1 minute et tout. Prends 1 minute 30, prends le temps pour bien te reposer. Laisser le muscle se reposer. Et après, on va bien repartir. Parce que être pressé, c'est bien, mais si après tu fais mal l'exercice ou tu vas pas au bout, c'est pas bon, d'accord? C'est pas bon. Dans l'entraînement, il y a du temps de repos. Le temps de repos, ça aide et ça contribue à ton évolution. C'est pour ça qu'on a un temps de repos qui est chiffré de 1 minute, 1:30. Et c'est important. Plus l'exercice est dur, plus le temps de repos est long, d'accord? C'est très important. Et 1 minute 30, il me semble que c'est prouvé scientifiquement que c'est le meilleur temps de repos à prendre. En général, pour progresser en musculation, mais il est vrai que pour certains exos ou que certaines charges sont lourdes, voire très lourdes, faut passer à 2 minutes, voire 2 minutes 30. Mais ça, c'est rare. Par exemple, pour les squats à plus de 100 kg et tout, pour les exercices comme la presse, exercices jambes, les séances jambes, les très gros muscles, ouais, le temps de repos, il faut le mettre beaucoup plus long. Oh, 1 minute 20, c'est très bien. On va repartir. Tranquillement, allez, c'est parti. Hop, on prend notre haltère en prise pronation. On s'allonge tranquillement et on y va. 1, 2, 3, 4, la barre au niveau du front. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13. 14, allez, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, super. Hop. Temps de repos, très important. Le plus important est mon petit trait. Hop, voilà. Comme je t'ai dit, les triceps, c'est très important. C'est vraiment important pour la progression. Et pour avoir un gros bras, c'est important, d'accord? Beaucoup s'acharnent sur les biceps. Je veux avoir des gros bras, bam, bam, biceps, biceps. Je le faisais avant, je le faisais de fou, d'accord? Je voyais pas mon bras évoluer, je voyais quand même une petite boule au niveau du biceps et tout, j'étais content. Mais je voyais que mon bras était petit. Je me suis renseigné, plusieurs youtubeurs, les américains et tout, ils ont dit, écoute, tu vas avoir un gros bras, c'est les triceps qui font bosser. Oublie les biceps, tu peux les bosser, mais fais tes triceps, d'accord? Le biceps sera pour le côté veine, le côté galbe et tout. Le triceps, c'est pour l'épaisseur, avoir un gros bras, bien remplir ses vêtements, bien remplir sa manche. C'est important, donc néglige
pas cet entraînement. Si tu as des gros bras, si ton but, tout comme moi, c'est avoir des gros bras, matraque tes triceps, c'est plus important. Fais beaucoup plus de séances triceps que des séances biceps, d'accord? Et comme ça, tu vas évoluer, tu vas avoir des gros bras. Sachant que les bras sont des muscles qui gonflent rapidement, d'accord? Très rapidement. Et pour ma part, enfin, c'est un point fort pour moi, mais de base, quand quelqu'un s'acharne sur les bras, il progresse très très vite. 1 minute 26, hop, c'est bon. On va repartir pour la troisième série. Allez, c'est bientôt la fin, il en reste deux, mais on fait les choses bien, toujours. Une, allez, deux, ok, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, 16, allez, 17, 18, 19 et 20, ok. Oh. Voilà, mon temps de repos. Tu vois, la musculation, c'est très mécanique, hein. C'est très mécanique. Tu fais ta série, tu prends ton haltère, tu fais ta série, tu poses ton haltère. Tu prends ta petite feuille, tu fais ton trait pour dire que t'as validé, tu mets ton temps de repos, tu te reposes et tu repars, tu vois, c'est très mécanique. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça et pas autrement. Après, bien sûr, il y a le facteur diet, il y a le facteur complément alimentaire, il y a le facteur ci, il y a le facteur ça. Mais si tu t'entraînes pas, physiquement, tu ne changeras pas. Et j'ai envie de te dire une chose, en musculation, tu peux manger ce que tu veux, d'accord? Et ça, il faut me prendre au sérieux quand je dis ça. Tu peux manger ce que tu veux à partir du moment où tu suis un entraînement complet avec un temps de repos complet et optimal, ton corps progressera, ton corps changera, d'accord? Il changera en bien. Et après, l'alimentation en plus va t'apporter, si tu veux, une évolution différente. Si tu manges que de la merde, bah ton corps il sera en mode massif mais musclé, tu vois. Mais si tu manges un peu de diète, bah tu vas te tracer un peu plus, tu seras un peu plus esthétique, tu seras un peu mieux, d'accord? Donc dans tous les cas tu vas évoluer. L'alimentation va t'apporter un esthétique supplémentaire, c'est tout. 1 minute 30, on repart parce que sinon je vais parler pendant 1 heure et je vais pas respecter mon temps de repos. Allez, hop, pronation toujours. Et on fait notre dernière série de 20 répétitions. 1, 2, 3, ok, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, très bien. Oh. Bon, la séance est terminée pour nous. On a fait les choses bien. Cette séance triceps, c'est bien de la mettre après une séance pec, tu vois. Ou alors tu fais une séance pec, triceps, et juste après, en dernier, en finisher, tu mets ça. Et là, on est bien pour progresser. Tu peux aussi faire une séance biceps, triceps, d'accord? Mais pour moi, si tu veux vraiment t'assassiner les triceps et avoir une bonne évolution et un bon ressenti pour tes triceps, fais une séance pec en premier. Parce que dans tous les exopec, je précise, tes triceps sont sollicités, d'accord? Et juste après, tu fais un finisher comme ça. Là, je peux t'assurer que tes triceps, ils seront bien. D'accord, ils seront bien, il faudra manger et se reposer avant de faire la séance suivante. Bon, si t'aimais cette vidéo, mets un like, mets un commentaire, comme tu sais très bien le faire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.